Jesus, the master of the world. Oh Jesus, you're the lily of the valley. Yes, you are. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Morning star, yeah. Oh Jesus, oh Jesus, you're the mighty, mighty pastor. I call you Jesus, the master of all. The master of all. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Almighty. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 I call you. I call you. The master of the master world. I call you Jesus. Call you Jesus. The master of the master of all. I call you Jesus. The master of the world. Monanga ezalaki kofaze me depuis monanana monanga yetimba nzeta monanga ezalaki citronnier me depuis monake chop citronnier bota orange monanga chop a komisa elengi tala ndenge mara koma Elenga français yo kangwe papa français ya anglais papa anglais ya amour et pa ya nana énergie a vieux ala kana kerosene mais oya nga énergie saliva nanana ngai les kabibi chez ma copé nana ba fana komisanga elengi maman talandenge nara koma elengi. Ba mécanicien du corps, boya ko sala recherche, nanzo toi nana ketchup. Po de gravité sna et de passer ba cylindrage. Soki azala ki voiture, ma koma mille cylindres. Nana ye. Nadine Bango, Christian Miss. Romantisme, amour, na ye. Lokola ya Jésus Christ, et pa ya peuple israélite. Et fa caresse na ye, déclenche à va puissance. Oye zange pas Satan, poko ma tout puissant. Nana ye. Papa, ja vierge ya Bible. Bati kango pambate, eza réservé pour nanana. Bon après ba siècle va kokoma ye na ba Bible na ba roman na ba histoire ba na mike histoire d'amour. Hey Balapa Queen Mada la reine mère Mama Mokonzi Bafana VIP international. Hey Barnanga Bafana, mon amour.
bafana nangai mote ma fali mama na Marco Sisse na Vincenzo mama na Jadene na Malka Monikele. À la célébration du mariage de Roger Ganga avec Marie-Rose, Lou Mouamou, Nienandi Mouketou. Bien prononcé ? Oui. A-t-il été fait un contrat de mariage ? Jusqu'ici, si, non. Alors, je vais vous faire lecture des articles qui sont un petit peu longs. Des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1 et ses derniers. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dont le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Le 9 novembre 2019, Roger Ganga, artisan, domicilié à Vrécourt-Couronne, en Essonne, et Marie-Rose, Lou Mouamou, Nienandi Mouketou, aide médico-psychologique, domicilié à Vrécourt-Couronne, en Essonne. Bon. Monsieur Roger Ganga, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marie-Rose Lou Mouamou Nienandi Mouketou, ici présente? Oui. Vous avez compris, il va falloir le dire fort, sinon je vais vous le faire répéter. Je préfère prévenir. Madame Marie-Rose Lou Mouamou Nienandi Mouketou, consentez-vous à prendre pour époux M. Roger Ganga, ici présent? Oui, de tout mon cœur. Au nom de la loi, je déclare M. Roger Ganga et Mme Marie-Rose Lou Mouamou Mienandi Mouketou unis par le mariage. Bisous. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's a difference between us and the million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call you, doesn't tear you apart.
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. And I hope that you're well. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Hello from the other side. Collé, serré, nous t'es qu'à danser.
arrivé un temps pour nous décoser. Qu'on laisse de nous décadencer. S'il n'était pas temps pour nous expliquer. Qu'on laisse de nous décadencer. Mais s'il n'était pas temps pour nous déparler. Qu'on laisse de
Marie-Rose et Roger dans leur vie commune. C'est lui qui nous rassemble, parents et amis, pour les entourer et nous réjouir avec eux. C'est en son nom que je vous souhaite en tout cas la bienvenue dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Mais béni soit Dieu pour Marie-Rose, béni soit Dieu pour Roger, parce que c'est un grand jour. Ils sont mariés maintenant. Et nous sommes là pour affirmer notre foi en Jésus-Christ et comme témoignage de leur foi en Jésus-Christ. Donc, ils se présentent devant le Seigneur pour recevoir sa bénédiction. Leur texte choisi donc est le texte donc tiré de Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Je vous invite donc, cher ami, à un moment de prière pour remettre ces moments entre les mains de Dieu notre Père qui nous aime et qui vous aime et qui vous accueille ici à cause de sa bonté et de sa grâce. Prions. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu nous as prêté aujourd'hui encore le souffle de vie. C'est un jour de fête, un jour de célébration, un jour de joie, un jour de victoire pour toi, mais aussi pour nous, pour Roger et Marie-Rose, parce que nous avons là la preuve que ton amour est si important et si grand. Merci de ce que tu les as réunis. Merci parce que nous sommes témoins de cette union et nous te prions de nous bénir, de nous accompagner et que ce temps de culte, de célébration, ce temps de chant, ce temps de joie soit vraiment un moment magnifique pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, à toi la louange et à toi la victoire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. De vivre en couple dans la société. Maintenant, vous êtes ici dans ce lieu de prière pour demander à Dieu sa bénédiction sur votre union. Et pour affirmer que ce couple que vous formez, vous voulez le construire jour après jour sur la présence de Dieu et sur l'évangile du Christ. Ici, vous affirmez que votre volonté de vivre ensemble et d'être conduit par Dieu et aussi donc de fonder votre union sur la parole de Dieu. Interrogé sur le mariage, Jésus a déclaré: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit homme et femme? C'est pourquoi chacun quittera son père et sa mère et s'attachera à son conjoint et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un. Que l'être humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Se marier dans une église chrétienne, c'est affirmer un projet commun. C'est témoigner de vouloir ensemble vivre. Le mariage n'a pas été inventé par l'homme, mais par Dieu lui-même, bien avant une école, bien avant une mairie. Le Créateur a lui-même inventé le mariage. C'est lui qui nous aime en premier. Comme il n'est pas bon pour un être humain de vivre seul, le Créateur lui donne un partenaire. C'est quand même inouï de savoir que Dieu qui a créé toutes choses de manière remarquable, et la Bible atteste que tout était bon, en créant l'homme, il y a pourtant eu un vide, un manque dans cette œuvre magnifique de Dieu. Et de cette solitude, Dieu créera donc Ève et instituera ainsi le mariage. Marie-Rose et Roger, à l'occasion de votre mariage, nous célébrons un culte qui comporte l'annonce, bien sûr, de la parole de Dieu.
et l'engagement de Dieu envers votre couple. Vous demandez la bénédiction de Dieu et l'intercession de l'Assemblée réunie. Il est bon de rappeler que l'Église ne marie personne. Vous êtes déjà marié et ça aurait pu s'arrêter là. Et aux yeux de Dieu, vous êtes déjà marié, mais ce culte est simplement un témoignage de foi, la demande de la bénédiction de Dieu sur votre union. Et c'est pour cela que nous voulons suivre les prescriptions de la parole de Dieu. Et vous avez bien sûr choisi des textes tirés de la Bible pour les présenter à vos invités. Et je vais demander donc à vos témoins de s'approcher pour les lectures donc bibliques. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 9. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, le fit venir vers l'homme pour voir comment il le nommera afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnera. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme cria, « Voici bien cette fois, c'est celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi un homme se sépara de son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Amen. 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 Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à donner vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement.
Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, de vous avertir les uns les autres et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Amen. Amen. Le Seigneur est heureux aussi d'ouvrir sa parole. Nous voulons prendre un court moment pour méditer la parole de Dieu concernant bien sûr le sens du mariage chrétien. Alors je vais vous amener donc à Canaan, en Israël, pour y voir un homme remarquable, Dieu, le Fils de Dieu, le Christ, qui va faire son premier miracle. Alors ce récit est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Nous nous levons à la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute,
lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas, ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci de bénir ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le premier miracle que Jésus a fait, le premier signe public qu'il a donné de sa divinité, ce fut au cours de noces. C'est dans un contexte joyeux et festif que Jésus a démontré qu'il était réellement le Messie, le Fils de Dieu. On est très surpris de voir Jésus à un mariage et être capable de changer l'eau en vin. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il voulait signifier au moins 3 choses, 3 réalités. D'abord, le Jésus que nous prêchons, que nous annonçons, n'est pas un rabat-joie. L'image que nous avons d'un Jésus triste, un Jésus abattu, un Jésus qui porte les péchés du monde entier, dont nous avons ça et là quelques portraits d'un Christ qui se cherche, un Christ très efféminé, n'est pas la révélation dont nous donne la parole de Dieu. Amen. Le Christ n'est pas un rabat-joie, le Christ aime la joie. Amen. D'ailleurs, la Bible, les évangiles disent et témoignent qu'il était l'ami des pécheurs et qu'il aimait bien la bonne table. Jésus donc arrive, est invité à cette fête, ce mariage, non pas pour y faire la morale sur l'importance du vin et la modération, mais il vient pour y apporter un peu de joie, de la joie. Amen. Le Jésus, selon Jean, assiste à ce mariage pour affirmer que le mariage n'est pas un acte privé, secret, mais toujours un acte public. Et on le verra tout à l'heure dans la définition de ce que le mariage, le texte que vous avez choisi, que nous avons lu, tiré de Genèse chapitre 2, vient d'un contexte particulier, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. En d'autres raisons, la raison d'être du mariage, c'est de résoudre le problème de la solitude. Le mariage a été établi parce que Adam était seul. Et ce n'était pas bon. L'essence du mariage est par conséquent d'avoir de la compagnie. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu dans sa création et dans sa bonté infinie a voulu que le vide de Adam soit comblé par Ève. On ne se marie pas pour procréer et pour donc prendre du plaisir sexuel. On ne se marie pas pour faire plaisir aux familles, mais on se marie pour combler la solitude de l'autre. Amen. La raison d'être du mariage, c'est que je ne veux pas que l'homme soit seul. Et si on s'y arrête, on a du mal à comprendre que Dieu qui est dans le jardin d'Éden est suffisant pour combler
la tante de Adam lui-même reconnaît qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Marie-Rose, tu t'es mariée pour combler la solitude de Roger. Amen. Roger, tu es mariée pour combler la solitude de Marie-Rose. Amen. C'est très important de comprendre la définition biblique du mariage. Parce que l'on peut être entouré de beaucoup de gens, mais se sentir toujours seul. L'on peut être en compagnie de plusieurs amis, mais jamais être en tout cas à la page. Et Dieu veut absolument que cette solitude soit comblée par Marie-Rose et Roger. Vous allez donc marcher ensemble et inviter Jésus à vous accompagner, parce que c'est lui qui prend plaisir à vous bénir. Dans la définition que nous avons dans le livre donc, du commencement de la Genèse, il est bien dit, parce que ce sont les paroles de Dieu lui-même, « Tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme, et les deux deviendront une seule chair. » J'ai grandi dans l'Église, et je peux vous assurer que, même avec tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre, mettre en pratique ce principe est très difficile. Il y a des gens à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, n'ont pas encore réussi à se décoller de leurs parents. Et lorsque on se marie, on amène avec soi le papa, la maman, la belle famille et toute la grande famille et de la communauté africaine, on sait ce que cela veut dire. Alors que le principe biblique est très clair, tu quitteras ton père et ta mère. Et tu t'attacheras à ta femme, et les deux deviendront une seule chair. Pour vous aujourd'hui, il y a donc trois familles. La famille biologique, la famille spirituelle, et votre nouvelle famille qui est maintenant, en tout cas, devant nous et devant le Seigneur. Ce détachement pour s'attacher est le principe fondamental d'une vraie union. C'est-à-dire plus justement de cette relation sans fin, cette vie constamment qui regarde derrière, mais on se détache pour devenir une seule chair. Le mariage est donc une union exclusive. L'homme et sa femme. Le Seigneur est très clair. Dans un contexte où l'homosexualité est prônée et même quelquefois revendiquée dans des églises dites évangéliques, protestantes, il est important de rappeler l'autorité des Écritures. Le mariage est une union exclusive, l'homme et sa femme. Reconnu publiquement, il quittera son père et sa mère et permanente s'attachera à sa femme et qui aboutit donc à la relation sexuelle, ils deviendront une seule chair. Amen. Et cette relation, c'est aussi une bénédiction de Dieu parce que la jouissance sexuelle est un don de Dieu dans le cadre du mariage. C'est Dieu qui le veut. Et c'est pour ça que dans ce que Dieu lui-même nous dit, tu quitteras ton père et ta mère, t'attacheras et les deux deviendront une seule chair, Dieu vous ouvre la voie à ce plaisir humain que lui-même accorde et lui-même scelle par sa propre bénédiction. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une dot, c'est un engagement à vie. Le mariage n'est pas se lever un beau matin pour dire « je t'aime et demain je ne t'aime plus ». Mais c'est une union sans fin, permanente et bénie par le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, si on retourne à Canaan, est invité lors d'un mariage et il veut donner le signe de sa présence et de sa bénédiction. Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples et là, quelque chose va se passer, il y a un manque. Et le constat est sans appel. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. À l'époque, les mariages duraient plusieurs jours.
Et il n'y avait pas l'arabe à côté pour acheter, en tout cas, les denrées nécessaires. Et un mariage sans vin, c'est un fiasco. N'en parlons pas de la honte, de la réputation. Et tout allait mal se passer si Jésus n'était pas invité à ce mariage. La fête était compromise, les invités vont sûrement s'en aller tôt et parler. Lorsque ça ne marche pas, on sait parler et on parle vite. Les commérages vont très vite. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les portables, en quelques secondes, ce qui se passe ici arrive à Brazzaville. Mais rien de cela va se passer car Jésus est l'invité par excellence. Amen. Marie a pensé à inviter Jésus et ses disciples. Et Jésus n'a pas boudé son plaisir d'être à Cana pour la célébration de ce mariage. Mais quand tout va mal, comment faire? Quand le vin vient à manquer, quoi faire? Comment agir, etc. Jésus est invité aux noces et Jésus est Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est le roi et le prince de l'humanité. Alors, Marie donc, qui a bien sûr suivi l'évolution de son fils, qui sait que c'est un enfant spécial, va donc se tourner vers lui pour l'interpeller. Et Jésus va donc répliquer à sa mère, « Mon heure n'est pas encore arrivée. Écoute, lui répondit Jésus, « Est-ce toi ou moi ?» que cette affaire concerne, ce n'est pas mon problème. Mon heure n'est pas encore venue, c'est-à-dire le moment où Jésus devait mourir et ressusciter pour attester qu'il est réellement le Messie attendu. Alors sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, elle est consciente que Jésus a des capacités exceptionnelles. Jésus va donc donner un ordre simple. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, c'est simplement une parole, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter au maître de la fête du repas, ce qu'ils firent. Et nous savons ce qui s'est passé. Tout le monde était heureux. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Quand Jésus est là, tout est différent. Amen. Encore faut-il laisser la place. Jésus va faire un miracle. Il va changer donc l'eau en vin, une démonstration de sa divinité, mais un signe pour le glorifier. La vie à deux sera toujours une vie compliquée. Et votre cheminement sera toujours aussi semé d'embûches. Mais vous avez invité Jésus dans votre cœur d'abord, et vous l'avez invité aussi dans votre union. Et quand le vin manquera, parce que le vin viendra toujours à manquer, Jésus est là pour vous aider. Amen. Pour changer l'amertume en amour. Amen. La tristesse en joie. Amen. La panique en paix. Amen. Car Jésus apporte la vie. Amen. Et à Cana, il démontre que oui, ce n'est pas d'abord la guérison du corps qui l'importe, qui est la priorité, mais la joie de voir un couple jouir de ce moment de fête. Amen. J'ai dit, Jésus n'est pas un rabat-joie. Notre Jésus, mon Jésus, votre Jésus aime la fête. Amen. Mais la bonne fête dans les normes bibliques. Et Jésus donc démontre qu'il est réellement le roi de gloire. Alléluia. Jean lui dit que c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, je dirais cela se passe à Corbeil. Amen.
Amen. Dans l'Essonne, il révéla ainsi sa gloire. Amen. Et ses disciples crurent en lui. Chaque fois que Jésus entre dans la vie de quelqu'un, dans un foyer, il amène une qualité de nouvelle équivaut à transformer l'eau en vin. Alléluia. Pour que nous puissions croire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Pour que nous puissions croire qu'il nous est indispensable. Vous avez souvent dans cette assemblée témoigné de votre foi, chanté des cantiques en son honneur. L'heure est venue pour vous de continuer à aller et à marcher avec lui et de vous souvenir constamment que face à tout manque, Jésus, l'ami fidèle, est là. Amen. Vous serez entouré par vos amis, vos conseillers et vos témoins. Mais Jésus reste l'ami par excellence, qui ne dissera jamais et sur qui vous pouvez vous reposer et qui ne sera pas là pour vous brimer, mais pour vous ragaillardir, pour vous donner un souffle pour aller toujours en avant. Marié devant les hommes, vous êtes marié devant Dieu. Et maintenant, nous sommes témoins de sa bénédiction sur vous. Et à tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas le Christ, et qui sans doute se posent des questions, et qui passent peut-être par des moments difficiles dans leur vie à deux, le Christ est l'ami des pécheurs et l'ami de tous. Il va être votre compagnon de route. Et que face aux difficultés, aux aléas de la vie, le Christ se présente comme celui sur qui vous pouvez compter. Amen. C'est là la démonstration de son amour, afin que nous croyions qu'il est réellement le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les anciens, que Dieu bénisse tous les couples, et que ces quelques consignes du Seigneur vous donnent sa paix et sa joie. Vous avez quitté, vous êtes maintenant collés avec le Christ, avec sa bénédiction, que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accompagne dans votre cheminement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De l'aimer, de la chérir, de la respecter, de la seconder et de la protéger. Promets-tu à ton épouse Marie-Rose de vivre avec elle au jour de soleil comme au jour de pluie, au quotidien, comme au jour de fête, quand tout va bien et quand vienne la maladie, le chômage ou la retraite. Promets-tu à ton épouse Marie-Rose d'élever et d'éduquer ensemble selon la volonté de Dieu vos enfants? Promets-tu à ton épouse Marie-Rose de lui rester fidèle tout au long de votre vie? Bien entendu là. Oui. À la mairie, nous a fait le même coup. Je suis un diesel. Et donc, c'est pas turbo injection. Les deux, ça fait bon, elle fait le turbo. Le turbo. C'est pas mal. Donc, c'est un oui, hein. Marie-Rose, promets-tu à Roger, ton époux, de l'aimer, de le chérir, de le respecter, de le seconder et de le protéger? Promets-tu à ton époux, Roger, de vivre avec lui, au jour de soleil comme au jour de pluie, au quotidien comme au jour de fête, quand tout va bien et quand vienne la maladie, le chômage ou la retraite? Oui, oui. Il n'est pas fini. Ça, c'est vraiment le turbo, ça. Promets-tu à ton époux, Roger, d'élever et d'éduquer ensemble selon la volonté de Dieu vos enfants? Promets-tu à ton mari, Roger, de lui rester fidèle tout au long de votre vie? Oui, je le veux de tout mon cœur. Ah!
Seigneur vous accompagne sur votre chemin. Il vous offre son amour et vous invite à en être témoin. Échangez maintenant donc les alliances. Ces alliances sont signe visible de votre engagement réciproque. Marie-Rose. Merci. Avec cette alliance, je te fais mienne. Ici, voilà. Par cette alliance, je te fais mien. Dans cette alliance, je te fais mien. Nous savons que tu es le Dieu qui accorde ta bénédiction et que lorsque tu tournes ta face vers nous, nous sommes riches de ta grâce. Tu poses maintenant tes mains bénissantes sur Marie-Rose et Roger. Tu les bénis de ta bénédiction. Amen. Tu illumines leur vie de ta lumière. Amen. Tu leur accordes ta paix, ta joie. Tu les animes et tu les caches afin que dans tout ce qu'ils seront, dans tout ce qu'ils feront, ta gloire rayonne. Que la grâce de Dieu et que la paix de Dieu ainsi que la communion de l'Esprit Saint repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soyez bénis. Maintenant et à jamais. Amen. Ah, 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 ah
Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est un livre qui n'a pas pris de ride. Il soit toujours à votre chevet. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous savoir parmi nous. Vivre votre foi et marcher dans le Seigneur dans cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Paso, lo lento, nadie paya, paso, soy, pasamos.
femme, je voudrais épouser. Pas ton premier amour, mais le dernier. Je remercie ceux qui n'ont pas fait l'affaire. Sache que j'irai parler à ton père. Qu'il est aucun... Nous allons les accueillir. Car ils sont merveilleux. Ils sont tout beaux. Marie-Rose, t'as demandé.
C'était un moment
très important. Le couple a reçu la bénédiction divine par le truchement du pasteur Jean-Claude Missidi Mbassi. Et chers invités, vous qui avez manqué à ces événements, vous pouvez vous faire une idée de ce qui s'est passé. Trop parler lui, je ne vais pas retenir votre attention tant que vous n'êtes pas là pour mon discours et non pas, je ne vais pas voler la vedette au marié. Nous allons demander, pour aller plus vite, je ne sais pas si le pasteur Jean-Claude Missidi Mbassi est là. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Oui, je vais l'inviter afin de pouvoir bénir le repas, faire une prière pour le repas. Que sur l'endroit, Dieu est présent au milieu de nous. Et nous croyons que le Christ présent au milieu de nous, celui qui nous accorde la vie, le souffle de vie, et celui aussi qui a uni donc Marie-Rose et Roger. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. Maintenant, nous voulons festoyer, nous voulons remercier le Seigneur pour ce repas qu'il nous a donné. Corban de France, s'il vous plaît. Dieu notre Père, sois béni et sois loué pour la journée que tu nous as donnée. Sois glorifié, sois acclamé parce que tu es un sauveur et un Seigneur formidable. Tu as su nous trouver, tu nous as démontré ton amour, tu nous as aimés d'un amour si fort que tu as racheté nos âmes pour que nous t'appartenions. Toi qui prends soin de nous à chaque instant, tu as pardonné nos péchés et tu as permis aussi de t'occuper de choses terre à terre, matérielles et légitimes, qui est le mariage. Nous te remercions pour Marie-Rose, nous te remercions pour Roger, nous te remercions pour cette nouvelle famille. Tu les as déjà bénis et nous sommes heureux de les avoir accompagnés et entourés. Et nous voici ce soir pour continuer cette fête comme nous l'avons invité cet après-midi de venir avec nous et de nous accompagner instant après instant. Nous voulons t'adresser ainsi nos remerciements et nous voulons te dire merci pour le repas que tu nous donnes. Nous te prions de le bénir, de le sanctifier pour le bien-être de notre corps. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire. Seigneur Jésus-Christ, bénis tous ces invités, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Sikana yo nazo kokati yo moko mesani sanga mpene na ye kokende te okotikanga moko na susi isole foni papa loro na lemba ema lesalisi minel motemeza nango bolingo olete nzinga eza mampete ndenge nalelaka yo bayo eza bolingo nzambe moto atinda mbwe lamour ezangelenge soki bakolinga yo soki balela yo ejonona soki baloba yo soki balela yo ejene makwa soki balinga yo kadi muzela kapital a Schengen Germaine Kalema Gode Moutoni Babin Maziku Ma panzi na nga iyo benga kanga zido mawash Mona unzo koko saka nunga Bafeti ya ngoyo esi ebele mi Wabi mimi oranta nga lopenga Nga moko basusi na we izole Izole Izole, izole
bonheur. Yo bombanga na motema secret d'amour. Lelo vungoli motema mure sopanye. Si mana yo makani si e comme yo bombanga. Destination nga mongwa bolingo yaninel. Saki na mete kento pena kintuka. Ye mokwa ye biye ninel nanga. Ye si kamba kole langa. Destination nga mumba boli maninele soki na kituka to pena mbeteke ye mokwa ye biye ninel mama esika bakolela Roje Mutombe. Inel muti metondia wabolingo Iza mabete nengena lilakaya Erika Talaya Iza bolingo zambe moto atinda Akafufu Lamure zangelengi soki bakolingayo Soki balilaya Marie Louise Okunji Soki bakasolakaya Soki balengelakaya Patricia Mwanza Singa Soki balojaya Soki baso chéririo nuit et jour aye. Leader Sam Pengombe et après Zaza président Francis Thierry Régis Le Normand Tonton Das Mampouya Niko Mokondi Jomas Manzambi Nanona Yeah.
Docteur Rémi Lepria, c'est-à-dire 20 ans, va lire Rabilo Romoko. Félicitations. Déjà, Bolingo et Zalaki, côté Nabous, et on retire chiffre d'affaires, y'a pas sentiment. On dramatise mon thème, on a ma crise d'affection, on promulgue séparation sans référendum. Et les inflation. Mon témé déclaré faillite à Bolingo. Par retard à livraison, y a tant de ses poussins dans la privatisation et à mon témé. La raison qui liquide, caca ma tête biblique. La raison qui liquide, déficit budgétaire. Mon banquier solidaire, de ses bateaux de change panneau. Nanaza client naturel. Eh hey, Betty Bongo, on dit la merveille. Y'a Pascaline Bongo. Naï na yo to ratifia traité ya Bolingo. Kasi le loco mi ko perdre légitimité. Naï na yo to ratifia traité ya Bolingo. Kasi le loco mi ko perdre légitimité. Yone député ya majorité. Lole mwe koti etika balongo la lino. Yo bengi force de l'ordre bade kachinga. Oh, frene mutation. Des électrons libres d'amour na zotanga. Argile zananou na humidité. Balola motema, le fer est encore chaud à battre. Masangu eteli makasa e kauki. Nakozonga mboka kasi na libuma mama lisusute. Nicodème n'a pas compris ce que disait le grand Jésus. Le vieux Martin Fayou, le Fadenhaus et Kinbouf, le pacificateur Vital Kamerhe. Réseau ya Bolingo et côté perturbation. Trafic est démontré que taux de change est grimpé. On n'est jamais son propre médecin d'amour. Embarqué au volant, au song et la vibration. Vitesse autorisée, parachute avatar, véhicule est surchargé, cybercafé, traduction, les as sans trahison. Lingana plus Nayoka, envoûtement, Nana Mona, Lizibaya Maïté, Kasi Lizibaya Moto. Oh, Ngonda Papa, Makatia Missi. Kakana ibali Jojo ngonda imene Mosu nyambisi Boya moto eko kuraka Biloko ya ime kutikeli nani nasani Atana nilikite na chaleur Anzoto nona kovivre Mbode
jongo na imene makasi ambisi kaka na ibele jongo na sherina nga mosu nyambisi boya moto ele okunga iloko ya ikatikeli na ninosani atana nilikite na chaleur nzoto nona kovive mokili Yolingina sala nini sans toi Je ne suis rien bolingo sans toi Ma belle maladie koti désespoir Yoke wa tloko zonga mbula nini Nazo kukake Nazo kukake Ketchup bafana Double click en a mama Vinci na Marco Cisse yeah. Jean-Marie le Poulasi et Yadema Don King Alain Kelo le garçon complet Nazana posa ya climatisation na saltamo Nazana posa ya automatisation ya système Nazana posa ya Alimentation sauve garde oh. Naza kolela Jolino na yo ya sukali Tango zopi Dena nime zopi na elengi Kupapa deme Ataba njelu na Kolo bare una keke Moto moko wa polinise Depuis yo zwa nana Koma dossier Klase bloke Pouke garde pona yo Oh 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 Jojo Kona yo Je ne suis rien bolingo sans toi Ma belle maladie continue de désespoir Yo que wa tu kozonga mbula nini Nazo kate, nazo kate Nazo luka na bosana nazo kokate Kolinga yo, kolinga ye nazo kokate Je n'en peux plus na lingi yo Préféré na foute ta paku ya lenda Na lingi yeye bana tokoma na lembi Double clique ma jojo Kona Double clique ma jojo Kona Imene Double clique na tilo kole Chulumbu ya meri Patin saraza na gigi saraza Bafaran rubi Washington e bunti chocolate lilu mande Olivier Ndomba si tosta omemba Fideline Moussadi Jérémy Kazadi, les mignons, Riziboula, Martin Rocco, Cassius et Bongongo, Serge Palmi, la Palmeré chez Gigi Palmi, Laurette Mbayani, Nanou Banganga. Yeah.
Yeah.
mana que tchot Au de gravité, ce n'est de passer Basi l'engrager So qui a zala qui vois-tu Ma coma miss l'année Nanaï Nadine Babo, Christian Miss Romantisme, amour, l'autre là, Jésus-Christ, le païen peuple israélite, le feu caresse, naïe, dénonce chaque sa puissance. Oui, mais ça n'est pas Satan, pas comme un tout-puissant, nanaï. Papa, j'ai fierge, la Bible, à tes amours, pas maté, nous a réservé pour la namour. Siècle va tout comme il est dans la Bible N'a pas roman, n'a pas histoire à banalité L'histoire d'amour Balaba Queen Mada La reine mère Maman Mokonzi Bafana Vieille internationale Bona Mama Marco si senga vichezo Mama na jade na maka monikele Mafana nana, epoka salomo za la rende sababa Mama sasa wa komida ila ide Ima yesu kende mari matela Komi bafana ye, bafana ye Mama, la reine, mama, 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 m
Jambolé Kalamaren, Yale Seti et Jenny Seti Madina, Auré Babou, à Alain Fini. Patrick et Vatala et Linda Bolebe, Maître Vincent Gomez, respect. Le demi-dieu, mon vieux Ahmed Bakayoko, fort. Nana Odis, vieille Mamadou, la meilleure Vénus, Pacifique, Kilo Bravo, Yafani Bilo, Waja Fashion Police. General Capone, Papa Namaro, Mawar, Lakis, Nasser. Kiza na makolo no kope ya kuma. Eske zara katini ni bodu me kuki obama ye. Ava makolo yon zame apuna. Adi dore. Ima moko kuku. Na koni ni kape. Na mokte mara. Sous-titrage Société Radio-Canada.
si je les agaille au molaï, pour la mort et pour les compagnies, ceux qui ont ma vie ont mon ami. Thank you.
toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles. T'ai mis tes vêtements de choix. Car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voie. En un claquement de doigts, le monde a changé. Ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler. Tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont pas changé. Et on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es devenue comme celle que tu ne supportais pas. Un peu superficielle. Qu'est-ce que tu fous là-bas? La vérité est qu'il a fait la même chose que moi. Donc plus que lui je dois prier si que tu me retends les bras. L'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté. Tu as passé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont émiettés. Pour toi je ne vaux plus rien. Maria Piron, Mamana, Erika, Alvina et Naziria Mandala. Caroline Piron, Dadou Ngalula, Nick Brenda 22, Amir Ngalula Piron. Cédric Banza Ilunga, l'icône de Djobourg. Sirène ya police kumaka na prison. Ya corbillard et kokumbanga na lilita. Et panye nga zoué salakanga neti drogué. Ba lèvre na yue la kaki matamananga. An aucun
jour balarme ko visite yango présence na yo beton armé ya vina ngai esengwele kaka si souci et me kole kate Marianne sotio tiki ngaye chagrin malheur Yoko banza moto alali nzoka we na ye Maria mandala sotio tiki ngaye chagrin malheur Yoko banza moto alali nzoka we na ye le monde est trop matata. Or moi toi ça là le monde est saillon zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Adamu Adamu pena Eva e présence à nyokana et langa très matata. Or moi toi ça là le serpent saillon zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Mon thème de mer, bolingwe zui matata. Souci na kate komi koulou na kata kata. Or moto sala mote me zayon zambe tata. Kita o kata po bolingo tro matata kata. Marianne, Maria mandala. Yoka bebe na yo, Erike mandala. Avant toi je n'avais jamais connu sa piron. L'amour le vrai romantique l'inégalable. Marianne, ce que tu qui gagne, chagrin malheur. Oh, Koko Banza Moto la lise au Kawena. Ah, Maria, ce que tu qui gagne, chagrin malheur. Koko Banza Moto la lise au Kawena. Mama Bano, Mama Maria. Moi si à peu mes boya bota mananani. Outawapi Maria, outawapi. Ozo bango le lisaye ya koma rouge. Bonela ye bébé. Eza ye bakane. Eza ye bakado. Marianne, so gyoti ki ngaye. Chagrin malheur, yo, Koko Banza Moto la lise au Kawena. Ah Maria, so kyoti ki na erike. Chagrin malheur, Koko Banza Moto la lise au Kawena. Ah Maria, Mandala, Mama Erika Alvina Nanazeria. Oh Maria. Séraphin Mandala, Papa Bota, Eric Mandala. Le monde est trop matata. Or moto sala le monde est Zayon Zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Obstiné SARL. Adamu, Adamu pena evae. Présence à Nyokana et langa vraie matata. Or moto sala le serpent Zayon Zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Univers Group TV. A mon thème de mer, boli moi suis ma tata. Souci na kate komi koulou na kata kata. Romo toi sala mon thème, zayon zambé tata. Kita o kata po boli motro ma tata kata. Marianne, Maria Mandala. Yo kanga mo balina, yo Erike Mandala. Avant toi je n'avais jamais connu sa piron. L'amour le vrai romantique l'inégalable. Marianne, Sokyoti Kinaye. Chagrin malheur, sa maman. Yoko Banza Mota Lali Zoka Wenaye. Ah Maria, Sokyoti Kina maman. Chagrin malheur. Eric Mandala, papa na Chico Mandala. Papi.
Sabina Lorette, Sarana Arnold et Bamandala. Soumino à États-Unis, Eric Ndondo Boni à Yasmin. Hey. Moi si après mes boya botama nanani. Outawapi Mariama, Outawapi. Bébé Loba qui manga le jour d'après. École Kateo Kozonga déjà. Lele koni basanza ba jour mi piko. Yozo yate. Ali dore. Ali Loba qui manga nana la suite. Ami tunu sate bolingo nanga yo. Ali Loba qui est ça pour la vie. Elona na kona biso silence eko miroa. Elona na kona biso insomnie eko miloa. Ata moto teo ya koti anga kwa. Ata na mimi na zongi nda kuretar. Moto akotu na ngate anga amawa. Bolingwa zate. Ali dore. Je ne dors pas la nuit. Elope koni sa tarza ko ganga ganga ka. Eko pimwa na banzete na katia zamba. Esengo ya bulingo ya jen. Alizonga na koma tarzan. Alieza fleuro yo roi sopela kama iye moko. Na tongo na revei. Nga ye yuleli. Nga lidor. Alio loba ki nanga le jour d'après. Eko lekate yo kozonga deja. Mwana mama Celia, moto ebaka kelo kola injura botamaki. Eza na mokolo mokumpe akuwa. Kasi eza la katena ili bolinga koki obomaye. Ava mokolo yonzambe apona. Ali dore. Tu me manques beaucoup. Na komi handicapé. Na motema mais ce qui amour na yezala ki cercueil na linga ki nani mana na iva mona comme bombe mais ce qui yo komi na yo mayo ya ibali na linga ki na mi bwaka na kati na zinda mi kamisa commissariat police para na kosa la infraction pou kanganga ye yo tianga na kasho yo kenge na kanga ye. So kya mona yo lele komi selke. Wananga na ni mi bade mange bimbe. Mona lido. Salo zonga wa salo zonga na kodaye. So ko zongite yo koyo kansangwa mililo. Po watakutu moto yo beta kangunga. Ya katoliko so kabela kukyo sede menamu. Mais l'amour t'es, Alindo. Mais l'amour t'es, je t'adore. Salo zonga wa, salo zonga na kodaye. Soko zongi te yoko yoka sangwa mililo. Po watakutu, moto yo beta kangunga. Ya katoliko, soka bela kukyo sede. Mais l'amour t'es, Alindo. Bébé olingi na yo kende, teke yo poli kenga na soufri. Po mote manangeza na maboko mayoye. Wapi moto eko sali la biso conciliation ya l'amour. Ngai moto bolingo na yo ekomisa ebwele. Yango ememe na ngai bankusu balia nzoto nyonso ye. Nkusu akolia motema amemela yo nsango ya bolingo na nga. Ali dor mon bébé bébé. Ali dor dor bien dans mon cœur. Tout travail mérite salaire, mais un salaire commence à mille bébé nanga itala sima mona lidor. Salo zonga we. Soki yo zongi te okoya kokuta moto divisé par deux.
ata kutu mutu ya beta kangonga ya katoliko soki ya bilia kokyo sede men amour te mona gali dor. Je m'en fous de mon départ, pas la guise de mon lit, aux autres dans la maison, mais un fion. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Bye.
choose to be my one and only. If you're happy and you know it, capena, no second guess. I know that God will lead you the way. If you're happy and you know it, capena, just get down on one knee. Treat me like somebody. Mettez ma lèvre, yes.
soleil ne m'est pas levé. Je suis zéro sans avis, c'est toi mon refuge.